Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République chef de l'État, responsabilisa la Direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo pour soulager les attentes des enfants d'Oyo. La Direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo, comme un bon soldat, ne traîna pas les pas. Et aujourd'hui, le chef de l'État inaugure le lycée d'enseignement général d'Oyo. Il est universellement admis que l'éducation constitue le pin dorsal de toute société. À ce propos, le président Nelson Mandela, de vénérable mémoire, déclarait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Fin de citation. Aussi, soucieux de bâtir une société prospère en terre congolaise et de répondre à l'engagement de l'UNESCO sur l'éducation pour tous, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, a inscrit dans son projet de société Ensemble pour souvent la marche, je cite, la nécessité de mettre à contribution des autorités locales à tous les niveaux de responsabilité afin qu'elles veillent à ce que tout enfant en âge d'y aller à l'école y aille dans les meilleures conditions. La jeunesse congolaise a bien cerné tout le sens de votre combat en sa faveur. Il s'agit en réalité de lui donner des compétences et c'est le plus beau présent que l'on puisse offrir à un enfant. Cette jeunesse se souviendra à tout jamais que vous êtes le dirigeant qui aura investi le plus dans l'éducation de notre pays, y compris depuis la colonisation. Il n'y a pas que les chiffres qui nous renseignent, mais aussi, évidemment, les nombreuses réalisations. Événement, on peut que s'en réjouir. Donc les sentiments sont ceux de joie, d'allégresse même et de bonheur. D'abord pour nos enfants. Puisque jadis les enfants ici avaient des problèmes, dès qu'il a son BPC, il doit quitter son environnement immédiat pour se retrouver de l'autre côté et c'était difficile. Mais là maintenant ils ont un cadre efficace pour leurs études. Je pense que c'est vraiment un sentiment de joie. Je dis merci au président de la République parce qu'il nous a construit ce lycée général au nom d'Antoine Dinga Aubin. Et je dis aussi merci à la SNPC. On va prendre bien soin de cette école, que cette école soit très bien entretenue.